La campagne des primaires chez les Républicains réserve décidément son lot de surprises et de rebondissements. Ce jeudi, c'est Rick Perry, l'ultra-conservateur gouverneur du Texas, qui a annoncé qu'il jetait l'éponge et apportait son soutien au candidat Newt Gingrich. Fervent défenseur des valeurs chrétiennes, Perry n'est jamais vraiment parvenu à décoller dans les sondages, en raison notamment de ses gaffes à répétition. On se souvient en particulier de ce grand moment de solitude lors d'un débat télévisé en novembre. Victime d'un embarrassant trou de mémoire, ils étaient alors montrés incapables de citer ne serait-ce que quelques-uns des points essentiels de son programme. Un retrait de plus qui fait en tout cas l'affaire de ceux qui restent. Ils ne sont plus que quatre dans le camp républicain. Mitt Romney, le grand favori, qui devra donc se passer des voix de Perry, qui reviennent à son rival Newt Gingrich. Toujours en course également Ron Paul et enfin l'ultra-catholique Rick Santorum. Et ce jeudi aura été celui de tous les désaveux pour Mitt Romney, puisque c'est finalement son rival Santorum qui a été déclaré vainqueur du caucus de l'Iowa qui avait lieu le 3 janvier dernier. Un dépouillement final certifié conforme par le Parti républicain invalide en effet le résultat annoncé le soir du vote. Mais Romney pourra toutefois se consoler de conserver la tête dans les sondages réalisés pour la prochaine primaire qui aura lieu ce samedi en Caroline du Sud.